Bon, on va faire une petite compo, rien que pour vous. Alors, je vous explique un petit peu. D'abord, on va choisir une tonalité, on va choisir la tonalité majeure, puisque en ce moment, on ne va pas choisir du mineur qui est trop triste. Donc, on va choisir la tonalité majeure et on va partir sur un accord tout simple, l'accord de Do majeur. En mineur, bien sûr, ça aurait fait ça. Descendre d'un ton, majeur aussi, on va descendre d'un ton, donc on va passer en si bémol. Tabler notre mélodie sur ces deux accords, Do majeur, si bémol, et qui ne sont pas dans la même gamme, de façon à ce que ça module un petit peu la mélodie. Corser un petit peu l'harmonie en introduisant ce que j'appelle un intrus. Donc, dans cette succession de Do majeur, Si bémol majeur, je vais rajouter un accord de Mi bémol, alors qui est un petit peu loin de la gamme de Do et de Si bémol, et ça va apporter ce que j'appelle un intrus. C'est pas franc. Vous voyez, ça sonne en dehors du. Quelque chose, un piquant si vous voulez, à la compo. Et puis cet intrus, il va falloir le résoudre pour revenir sur le Do. Hein? Donc Do, Si bémol, j'apporte l'intrus. Et l'intrus, on va le résoudre par deux accords de la même gamme, le Fa et le Sol, et on revient sur le Do. Résolu l'intrus, le mi bémol. Ce qui va donner à peu près en grille d'accord ceci. Maintenant une mélodie basée sur cette grille. Donc sur l'accord de Do majeur, mais rien de plus simple que on va jouer trois notes, par exemple de la gamme de Do, hein, ça va très bien passer, on va faire Mi Fa Sol. Thank you.
D'accord. Composition. Maintenant, eh bien, à vous d'essayer, profitez du confinement pour essayer. Ciao. Thank you.